الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شفيع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour faveur que Allah subhanahu wa ta'ala peut faire pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala peut donner l'occasion pour nous témoigner un nouveau Ramadan dans la vie. Nous demandons que Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour nous faire maximum bonne action dans ce mois-là et que Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ban ibadat qu'il nous fait, qu'Allah pardonne nous nos bons péchés. Qui Allah subhanahu wa ta'ala si nous parmi habite à l'enfer, qui Allah libère nous de l'enfer et qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous maximum récompense pour ban ibadat qui nous peut faire dans ce mois-là. Et ensuite, nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous venir parmi ban qui nous comptent pour apprendre ce din. Rasul sallallahu alayhi wa sallam de plusieurs ban hadith, les vins fait nous compte concernant vertu, concernant valeur, et celui qui les fait ses efforts pour lui apprendre din Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette sincérité dans sa action-là, et qui, pour celui qui peut causer et celui qui peut écouter, qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette sincérité, nous fait ça juste pour faire lui tout seul plaisir. Et titre qui est né avec nous, pendant les samedis et lundi, après Namaz Tarawih, veut dire à partir 9h30, c'est provision pour le voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous venons avec explication de ce titre-là. Provision pour le voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, en tant qu'un musulman, un parmi les croyances qui nous bizarre, c'est croyance de jour qiyama. Nous sommes et certains que la vie ne termine pas par l'amour. Après l'amour, il y a une lutte, la vie. Après l'amour, nous n'avons pas besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de plusieurs places du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître concernant sa réalité-là. De plusieurs places du Coran, Allah peut rappeler du monde. Par exemple, dans surah Al-A'la, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans l'ayat numéro 8, وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى وَإِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى certainement vers ton Rab le retour. Et dans surah 84, ayat 6, Allah subhanahu wa ta'ala peut adresser à Ban Jimoun. Allah subhanahu wa ta'ala pas peut adresser à Zisman qui n'a iman. Allah subhanahu wa ta'ala pas peut adresser Zis à Ban musulman. Allah subhanahu wa ta'ala peut adresser à l'humanité en entier. Allah subhanahu wa ta'ala li peut adresser à tout ban jimoun. Ya ayyuhal insan, ô insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Certainement, vous pouvez retourner vers votre Rab avec votre bonne action. Bon et mauvais, un retour sûr. Allah subhanahu wa ta'ala dans cette ayat-là, Allah peut mettre l'emphase dans sa retour-là. Allah subhanahu wa ta'ala peut rappeler nous insan qui est un jour que nous avons pour retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala et c'est un retour qui est sûr. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit et vous pouvez trouver résultat des autres bonnes actions que vous avez fait. Et ça joue que nous pour retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala là, ça joue là Allah subhanahu wa ta'ala lui pour montrer nous, Allah pour montrer nous bonne action qui nous fait faire au salat là, qu'il est bon ou soit mauvais action. Donc la question qui nous pose nous-mêmes, après que Allah subhanahu wa ta'ala dans sa 10 ayat qui nous fait mentionner là, Allah subhanahu wa ta'ala peut informer nous insan qui zot ena pour retourner vers zot rab. Pose nous-mêmes la question, chacun parmi nous, est-ce qu'il me fait prêt pour sa retour là? Est-ce qu'il me fait prêt pour retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala?
Chacun parmi nous, nous connaît qui qualité la vie nous peut vivre. Chacun parmi nous, nous connaît qui quantité l'obéissance est dans nous la vie. Nous connaît qui quantité désobéissance qui est dans nous la vie. Donc, est-ce qu'il nous fait une parée pour première étape qui amène vers la rencontre de nos robes? Première étape qui amène vers la rencontre de nos robes, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'amour. Est-ce qu'il nous fait une parée pour cette étape-là? Est-ce qu'il nous peut réaliser qu'il n'y a pas qu'un moment ange de l'amour, les capables présents devant nous, les capables venir tirer nos roues? Donc, chacun parmi nous réfléchit. Réfléchis et guettez. Qui qualité la vie nous peut vivre? Est-ce qu'il nous fait prêt pour retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il nous fait prêt pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Ou soit nous pas compris? Pour tout voyage qui un dimon fait, comme on nous connaît, il y a une provision qu'il y prend. Par exemple, un dimon il veut faire un voyage, bah, il y a une provision qu'il vous prend, il vous prend sur l'aise. Les vous prend manger, les vous prend boire. Mais sa voyage, qui peine à aucun doute là-dedans, être sûr et certain, sa voyage qui peine à aucun doute là-dedans, qui est nous tous, qui est musulman, qui est non-musulman, nous tous, nous n'avons pour faire sa voyage, nous n'avons pour retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala là, est-ce qu'il nous fait une propre provision qui est bizarre pour sa voyage là? Allah subhanahu wa ta'ala, dans surah Baqarah, quand Allah peut cause concernant Hajj, ayat qui Allah cause concernant Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa tazawwadu. Et prends provision, fa inna khayra zadi taqwa. Et meilleure provision qui un dimoun est capable de prendre, c'est taqwa, la frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et dit un dimoun, quand il peut faire Hajj, quand il peut prendre une provision pour lui faire Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala dit meilleure provision qu'il est capable de prendre, c'est taqwa, la frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours on nous repose nous-mêmes la question, est-ce que sa provision précieuse qui appelle taqwa, la frayeur pour Allah, est-ce que vous pouvez préparer sa provision là? Est-ce que vous pouvez faire ses faux pour me rester quand vous pouvez faire sa voyage là, quand ange de l'amour fait une présente devant moi? Est-ce que vous êtes capable de dire avec certitude qui me fait prendre provision, ta quoi, afin qu'il me capable, moi bien rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, moi bien rencontrer Allah dans un bon état. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala dit, prends provision, certainement, moi, meilleure provision, c'est ta quoi, la frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qui veut dire ta quoi? Un mot qui plusieurs fois nous fait entendre. Ta quoi, c'est un la frayeur. Qui un dimon li ena pour Allah, en la frayeur qui fait lui prendre conscience chaque instant, chaque moment de sa vie qui Allah subhanahu wa ta'ala peut trouver lui, qui Allah subhanahu wa ta'ala bien informé de ce qu'il peut faire, en la frayeur qui rapproche lui avec Allah subhanahu wa ta'ala, en la frayeur qui vient une barrière entre lui avec ma désobéissance, en la frayeur qui vient une barrière entre lui avec Allah subhanahu wa ta'ala, sa punition. Et comment nous sommes capables d'atteindre sa la frayeur là, sa vraie la frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala là, c'est un parmi les façons qui est là, c'est à travers sa ibadat qui nous peut observer dans le mois Ramadan là. Sa pilier de l'islam qui appelle le rosa, qui Allah subhanahu wa ta'ala dit, raison qui fait, il fait une prescrire rosa, la'allakum tattaqoun, afin qu'il nous capable, développe taqwa, développe sa vraie la frayeur là, pour Allah de nous l'écrire. Et si un djimoun, l'inresli, approvisionne lui-même, avec taqwa, pour sa voyage qu'il y en a pour le faire vers Allah subhanahu wa ta'ala, pour se retourner vers Allah, donc être sûr et certain que sa personne là, alors, jour qu'yama, les poupons, mi, ben, habitent en paradis, inshallah. Qui s'en là qui dit ça? Allah même. Dans plusieurs places de Coran, si nous lisons le Coran, nous trouvons, qui en parmi, ben, catégorie du monde, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait associer paradis avec eux, c'est ben, muttaqin. Plusieurs places de Coran. Inna lil muttaqina mafaza. Inna al muttaqina fi jannatin wa uyun. Inna al muttaqina fi jannatin wa nahar. Dans plusieurs places de Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fin fait nous connaître qu'il y fait une réserve paradis
pour se battre sur les vitesses, qui fin prend sa provision, qui appelle ta croix pour sa voyage, qui se tient à pour faire, pour se retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et une autre façon pour nous capables de gagner la frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous capables de développer cette croix-là, c'est à travers un de mes plus grands ibadats qui est là. Un de mes plus grands ibadats qui est là, qui ibadat ça, c'est Zikrullah. C'est Zikrullah, pense Allah subhanahu wa ta'ala, mazin Allah. Comment est-ce qu'à travers Zikrullah, ça peut aider un dimon pour développer ta croix, pour développer la frayeur, vraie la frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala? C'est qu'un dimon, quand il peut faire zikr, quand il peut faire zikr, et zikr, il y a plusieurs façons, qu'inch'Allah nous pourra prendre quelques instants, quand ce dimon-là, il peut faire zikr, par exemple, il peut dire subhanallah. Il peut dire Allah parfait, Allah sans défaut. Pas un zikr qui est juste libre de prononcer sur la langue, non. Sa personne-là, en même temps qu'il peut dire subhanallah, il peut dire Allah parfait, Allah sans défaut, en même temps, il peut réfléchir, il peut imaginer. De quelle façon Allah subhanahu wa ta'ala parfait? Comment Allah est sans défaut? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah subhanahu wa ta'ala pas dormi. Allah pas casse-cou. وهو يطعم ولا يطعم الله سبحانه وتعالى لدون امانجي الله با بيزا نوريتيالي لم يلد ولم يولد الله سبحانه وتعالى ني الله فين برون نيسانس ني الله فين دون نيسانس دونك دو سا فاصون لا كان نو بيجي سبحان الله كان نو بيجي الله بارفي الله سان ديفو نو بي ريفليشي كوما اسكي الله سبحانه وتعالى لي بارفي دو كي فاصون الله بارفي الله لي سان ديفو. Quand on fait un zikr de sa façon-là, sa zikr-là, il peut bénéficier nous. De quelle façon il peut bénéficier nous? Comme on réalise Allah subhanahu wa ta'ala sa perfection, Allah subhanahu wa ta'ala, comment Allah lui sans défaut, ça peut aider moi pour, premièrement, moi j'ai l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi ça peut aider moi pour qu'il me développe sa taqwa, vraie la frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Moi pour honte, moi pour honte pour désobéir à une qualité créateur pareil. Moi pour réfléchir avant qu'il moi tombe dans une désobéissance, avant qu'il moi commette une action qui Allah subhanahu wa ta'ala pas content. Un créateur pareil qui est parfait, qui sans défaut, sa créature là, il est pas content sa action là, donc moi pas pour faire sa action là comme une conne. Allah subhanahu wa ta'ala à travers ban zikr, à travers ban façon qui Allah même et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous pour nous penser. Et zikr, il y a des catégories zikr. Nous sommes capables de diviser en des catégories. Premier, il y a un zikr qui est âme, qui est général. Et ça, c'est tout ban ibadat. Tout ban type de ibadat, comme namaz, comme rosa, comme hajj, parce qu'il nous fait sa bonne ibadat là pour nous penser à Allah. Nous fait sa bonne ibadat là pour nous obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous faisons namaz, nous pensons à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous gardons rosa, nous pensons à Allah. Quand nous faisons hajj, nous pensons à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moussa alayhi salam, quand Allah t'y appelle Moussa alayhi salam, qui Allah subhanahu wa ta'ala jali, wa aqimis salat li dhikri. Et établir salat li dhikri, plutôt rappelle-moi, plutôt pense-moi. Et Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah li dit, tout ce qui est prononcé par la langue, et li est traduit par l'écrit, et li rapproche un dimoun vers Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, cherche la connaissance, la cause Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin d'un hadith fin montre nous concernant valir un dimon quand les persis d'un rassemblement que peut mentionner nous Allah subhanahu wa ta'ala que peut partage la connaissance concernant Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un rassemblement que peut penser Allah subhanahu wa ta'ala. Donc un dimon l'épée cherche la connaissance, c'est une façon que ça dit mon là, il peut penser Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, enseigne la connaissance d'in.
ou donne les biens, empêche le mal. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahmahullah, il dit, donc tout ça là, font partie dans Zikrullah. Ça, c'est une première catégorie. Zikr qui nous est là, qui est général, donc qui concerne tout un type de ibadat. Et ensuite, on a une deuxième qualité de zikr, un zikr qui est khas, un zikr qui est spécifique. C'est-à-dire, nous mentionnons Allah subhanahu wa ta'ala, par, nous récitons un ayat qui trouve dans le Coran. Une façon pour nous penser à Allah. Quand nous pouvons lire le Coran, quand nous pouvons lire la parole Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une façon que nous pensons Allah subhanahu wa ta'ala. Ou soit à travers une phrase que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne-nous. À travers une phrase que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne-nous pour nous glorifier Allah, pour nous faire Allah subhanahu wa ta'ala son éloge, pour qu'il nous proclame Allah subhanahu wa ta'ala son grandir, pour qu'il nous proclame Allah subhanahu wa ta'ala sur l'unicité. Et incha'Allah, nous avons une explication. Les pour concerne sa deuxième catégorie de zikr là, c'est-à-dire un zikr qui est spécifique. Chers frères et sœurs, zikrullah, c'est un ibadat qui est malheureux pour nous dire, il est existant, il est inexistant dans beaucoup parmi nous, nous la vie. Et pourtant, c'est un ibadat qui pas demande capacité physique. Comparé à namaz, comparé à un dimoun qui peut faire hajj. Mais c'est un ibadat plutôt qui demande qu'il nous tire quelques l'étang de nous la vie. C'est un ibadat qui demande qu'il nous tire quelques l'étang de nous la vie. Nous tire 15 minutes, nous tire demi-temps, nous tire un temps par jour, nous consacrer ça. Zis avec Allah, zis pour penser Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, nous connaissons le monde qui nous peut vivre là. Nous peut vivre dans le monde matériel. Nous peut vivre dans le monde que du monde. L'Iéna, c'est une préoccupation. Quand un du monde, l'Iéna, c'est une distraction. Quand un du monde, l'Iéna, c'est une travail qu'il y en a pour faire sur la vie de tous les jours. Il y en a pour occuper son madame, son enfant. Il y en a pour le travail. Quand l'infini son travail, il y en a son distraction après. Donc, nous trouvons qu'il y a un dimon, un musulman, il paye dans même les temps pour lui faire ibadet, pour lui adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui penser Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, fin avieti ban kina iman. يا أيها الذين آمنوا وبنكنا إيمان قد كي الله سبحانه وتعالى جاء لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة dans notre place de Coran Allah سبحانه وتعالى جاء كي أنجمون سو richesse et أنجمون سو بانز enfants c'est une fitna pour lui, c'est une tentation pour lui. Et dans cette ayat là Allah subhanahu wa ta'ala libé de nous l'ode, la tulhikum amwalukum. Palaisse nos richesses. Palaisse nos bons enfants. Distrayez-nous depuis, rappel Allah subhanahu wa ta'ala, depuis la pensée d'Allah, depuis zikrullah. Parce que, un dimon, quand il y en a l'argent, chaque fois qu'il y a un dimon là, il peut gagner l'argent, qu'il est pour faire? Il est pour faire des efforts pour lui gagner plus. Les pour faire des efforts pour les gagner plus. Sur l'esprit, sur les temps, tout vous finit dans ce business, dans ce travail. Sur l'esprit, sur les temps, vous finit dans comment vous faire pour accumuler ça, j'ai bien qui me déjà possédé là. Comment vous faire pour gagner plus, pour multiplier les. Donc, ça, ce monde-là, sa richesse là, fin vin en barrière entre lui avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ou soit même ses enfants, fin vin en barrière entre lui avec Allah subhanahu wa ta'ala. À cause richesse, à cause enfants, les peines à l'état vous pensez Allah subhanahu wa ta'ala. À cause richesse, à cause enfants, les peines à l'état vous faire ibadet. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit après? Wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. C'est lui qui fait ça. C'est lui qui les laisse lui-même distraire. Pas sous richesse, pas sous enfants. Ça dit, mon là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ça ban là, c'est ban perdant.
C'est ban perdant dans dunya et plus grand perdant c'est de akhirat. Un ayat qui trouve dans surah Munafiqun numéro 9. Dans notre place de Coran de surah Hashr, surah 59 ayat numéro 19. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ » Et pas vint comme un ban qui fin blie Allah. « فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ » Allah fin fait à eux même blie eux. Et Allah dit « أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ » Ça ban là, c'est ban fasiq, c'est ban rebelle. Donc Allah subhanahu wa ta'ala veut faire nous connaître. Pour qui Allah veut dire nous Pavin parmi ban qui fin blie Allah, c'est qui Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître, qui est dans certaines ban du monde, dans une catégorie du monde, qui est l'infini blie Allah subhanahu wa ta'ala. L'infini blie Allah. Si t'en l'est occupé avec dunya, si t'en l'est occupé avec travail, avec madame, avec enfants, avec distraction, avec l'occupation, que t'en blie Allah subhanahu wa ta'ala. Les peines à l'étang pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, du moment qu'un démon lui fait oublier Allah, fa ansahum anfusahum. Allah subhanahu wa ta'ala fait à sa démon là oublier lui-même. Kuma en punition, Allah subhanahu wa ta'ala fait à sa démon là oublier lui-même. Donc, zikrullah, c'est une ibadat qui est simple, qui nous donne la capacité pour faire lui. Par exemple, une madame dans la case qui veut faire l'ouvrage. Pendant qu'il veut faire l'ouvrage, sous la langue capable de se tremper avec zikrullah. Les capables, les réponses Allah. Les réfléchir au Allah subhanahu wa ta'ala sous perfection. Allah sous grandir. Allah sous l'unicité. Et Michel, il est sur le tout. Les peut conduire. Les lourds motocyclettes. Les lourds bicyclettes. Les peut marcher le chemin. Donc, sous la langue capable de se tremper avec zikrullah. Les pensent Allah subhanahu wa ta'ala. Et une fois, un dimoun fin vint contre le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ya Rasoul Allah, ô messager d'Allah, inna shara'i' al-Islam qad kathurat alayhi. Certainement, ben la loi de l'Islam fin vint beaucoup le mot. Qui ce dimoun là, il peut dire, pas ben la loi de l'Islam fin vint beaucoup le mot, ben shara'i' de l'Islam, ben shara'i' de l'Islam fin vint beaucoup le mot. Mais dire, là, nous n'avons pas de cause concernant, les pas de cause, ça dit, mon là, concernant quelque chose qui farase. Parce que ça, l'obligatoire, ça dit, mon là, l'obligé, mettre en pratique quelque chose qui est obligatoire. Qui lui peut dire, pas, ben, charaïa de l'islam, puis, beaucoup, l'oli, ben, la loi de l'islam, mais dire, ça dit, mon là, lui peut dire qu'il est capable de faire ce qui farase. Ma ben, ça va finir explique ce hadith là. Li capable faire juste ban action qui fera, veut dire ban nawafil ban action surplus, li pas capable faire. Alors Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit allez, li demande Rasoul sallallahu alayhi wa sallam informe-moi une petite chose qui vous fait moi tenir ferme avec ça. Montrez-moi une action qui me tenir ferme avec cette action là et ça vient une compensation de ban nawafil qui m'ont pas capable faire. Qu'est-ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رسول صلى الله عليه وسلم جالي لست لا لان مويه avec ذكر الله. Tu pas capable God ban rosa nafil. Tu pas capable faire ban namaz en plus ban nawafil. Lest la langue trempée avec ذكر الله. Une action qui simple. Laisse nous la langue trempée avec ذكر الله. Comment nous dire? Nous capable de faire une autre petite chose. Mais en même temps, nous la langue l'y peut tremper avec l'ikrullah, nous pense Allah subhanahu wa ta'ala. Et Hassan al-Banna lui dit, est-ce qu'il t'a pas honte? Est-ce qu'il t'a pas honte qui demain quand tu joins ton robe, te trouver qu'il a plus peur de tous les temps, te pas finir rempli lui avec l'ikrullah? Hassan al-Banna lui dit, est-ce qu'il t'a pas honte? Qui demain quand tu peux joindre Allah subhanahu wa ta'ala, quand guette, toute la vie qui te finit traverser, quand qualité la vie qui te fait vivre, tu pas fini en allaitant pour penser Allah subhanahu wa ta'ala. La plupart de tous les temps, tu pas rempli li avec zikrullah. Nous tous, nous avons les temps libres de nous la vie. C'est une faveur depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le Rasul sallallahu alayhi wa sallam même fin fait nous connaître. Des faveurs qui beaucoup de monde fin gagne embêté, ils ne pas prendre compte sa faveur là.
As-suhhat wal farag, la santé et l'état libre. Donc, est-ce que nous sommes capables de dire Allah subhanahu wa ta'ala qui, oh Allah, vous partez dans les temps, vous pensez-toi. Oh Allah, vous partez dans les temps, vous faites avec Allah. Mais seulement, vous tenez dans les temps, vous faites football, un match football, 90 minutes, ça vous tient dans les temps. Oh Allah, vous partez dans les temps, vous pensez-toi, oh Allah. Vous partez dans les temps, vous faites avec Allah. Mais seulement, vous tenez dans les temps, vous faites un film et une heure et demie. Oh Allah. Vous partez dans les temps pour faire avec Allah, mais seulement, vous tenez dans les temps pour une journée, vous restez internet. Est-ce que nous sommes capables de dire Allah subhanahu wa ta'ala, ça quitte chose là? Aujourd'hui, nous disons, nous payons dans les temps de nous la vie. Aujourd'hui, nous disons, nous payons dans les temps de nous la vie. Mais seulement, un celui qui dit, il paye dans les temps de sur la vie, pour, ben, ibadat, connaît qu'il paye en bête lui-même. Dans 24 heures de temps que Allah subhanahu wa ta'ala fin donne nous, il y a certaines man les temps là-dedans qui, c'est man les temps libre. Combien parmi nous qui nous conservent nous man les temps libre, nous servent les pour nous akhirat? Combien parmi nous qui nous servent nous les temps libre pour nous faire man action qui, demain quand on peut retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est moi-même qui peut bénéficier. Donc, faut des pas, nous tirons une excuse, nous tirons un prétexte qui nous pensons, c'est un prétexte qui est valable. Vous pouvez aller temps, vous êtes fatigué. Vous pouvez aller temps, vous pouvez faire football comme une distraction, vous pouvez faire film comme une distraction. Ça qui est chose là, faire football, faire film, une distraction pour moi ça. Mais vous pensez à Allah subhanahu wa ta'ala pour fermer la langue, tremper avec Zikrullah, vous trouvez lourd, vous trouvez une petite chose difficile. Et si nous gagnons bien le Coran, pour montrer nous concernant l'importance de Allah, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, qui adjectif qui Allah fin servi, quand Allah peut donner l'autre à ban, qui n'a iman pour penser. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullah. Allah pan ti amin par la même. Allah pan dire, au ban qui n'a iman pense Allah. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala fin dire? Allah fin montrer nous, qui qualité nous bise à penser? Udhkurullah dhikran kafira. Pense Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. Fais dhikrullah beaucoup. Fais dhikrullah beaucoup. Et nous redis encore, c'est une ibadat qui nous capable faire. C'est une ibadat qui nous capable faire, qui en même temps nous peut faire l'autre action. En même temps, on peut conduire mon auto. En même temps, on peut, mon motocyclette, on peut conduire. En même temps, on peut marcher le chemin. En même temps, une madame, elle peut faire l'ouvrage sur la case. Donc, elle est capable, elle fait avec Allah, elle pense Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est une ibadat qui nous capable faire les beaucoup. C'est une ibadat qui nous capable faire les beaucoup. Nous capable faire les beaucoup fois dans une journée. Et dans l'autre place du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ » Ban qui pense Allah, ban Miché, qui pense Allah beaucoup, « وَالذَّاكِرَاتِ » et ban Madame qui pense Allah beaucoup. Allah ban dit « وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ وَالذَّاكِرَاتِ » « وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا » Ban qui pense Allah beaucoup, « وَالذَّاكِرَاتِ » et ban qui pense Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup, parmi ban madame. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit encore dans le Coran, « Wala dhikrullahi akbar » et « dhikrullah » ça même plus grand qu'il chose. « Dhikrullah » ça même plus grand qu'il chose. Et pour montrer nous qui quantité bienfait qui est dans « dhikrullah » pour montrer nous qui quantité bienfait qui est dans « dhikrullah » Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans un livre qui appelle le Wabail al-Sayyib, Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans sa livre-là, les films mentionnent les dire qu'il y en a plus qui sont bien faits avec Zikrullah. Quand un djimoun les fait Zikrullah, il y en a plus qui sont bénéfices qu'il y gagne là-dedans. Donc, réaliser, pas une action qui simple, ça, qui nous capable de prendre à la légère. C'est une ibadat qui est une grande valeur devant Allah subhanahu wa ta'ala, mais malheureusement, beaucoup parmi nous, nous pas connaissons valeur. Beaucoup parmi nous, nous pas connaissons l'importance.
Pose nous-mêmes dans la, pose nous-mêmes question. Combien de fois dans une journée, mon fait avec Allah, comme abisin? Quand nous faisons faire avec Allah, comme abisin, pas un avec Allah qui sort ici, on nous la langue. C'est une phrase que je peux prononcer. Combien parmi nous nous faisons ça avec Allah là, et ça avec Allah là, il y a l'effet qui vise à nous la vie. Donc, avec Allah, c'est un ibadat qui n'a grand valeur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça même plus grand qu'une chose qu'il y a. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ban. Ces choses qui vont venir, nous pouvons apprendre comment Allah subhanahu wa ta'ala les récompense en celui qui fait avec Allah. Qui m'a bien fait qui nous gagne quand nous faisons avec Allah. Et inshallah, ça va une explication là. Les une source de motivation pour nous. Inch'Allah, ça va une explication là, il y a une source de motivation pour chacun parmi nous, si peine avec Allah dans nous la vie, nous fait des efforts, à partir maintenant, qui nous pense Allah subhanahu wa ta'ala, qui à partir maintenant, nous fait dhikr, nous pense Allah subhanahu wa ta'ala, et nous prend sa provision, qui à travers sa dhikr là, inch'Allah, ça aide nous, pour développer sa provision qu'appelle taqwa, qui, inch'Allah, nous développe ça, et nous amène sa provision là avec nous pour nos voyages vers Allah subhanahu wa ta'ala, pour nos rencontres, quand nous puissions rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, donc pour aujourd'hui, c'est une introduction, et inshallah, à partir lundi, nous pouvons guetter ensemble, ben bienfait qui est là, ben bénéfice qui est là de Zikrullah, qui ben bienfait qui nous capable de tirer depuis Zikrullah, et comment ça capable d'améliorer nous la vie. Comment ça capable amène un changement positif dans nous la vie, que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous bénéficier avec ce qui nous fait entendre. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.